pièce se passe dans un hôtel. C'est deux chambres côte à côte. Il y a une porte qui communique pour les deux chambres. Dans une des chambres, il y a un gars qui vient, c'est un tireur d'élite, qui vient parce qu'il y a un procès. Il y a le palais de justice qui est à côté de l'hôtel. Il y a le procès d'un gars qui est un délateur. Il vient donner bien des noms, puis il y a un contrat sur sa tête, et puis on vient pour le tirer. Dans l'autre chambre, il y a moi qui est photographe professionnel, qui vient faire des photos justement de ce gars-là. Mais en même temps, je veux me suicider parce que ma femme m'a quitté, puis j'ai bien de la peine, tout ça. Mais il veut pas vraiment mourir non plus. C'est plus un appel à l'aide, si tu veux, de ce personnage-là. Et donc, les deux vont être en interrelation. Mon personnage, qui est l'emmerdeur, qui s'appelle François Pignon, en fait, va venir vraiment nuire à l'autre dans ses projets d'assassiner quelqu'un. C'est ça. Ça, c'est il y a quelqu'un qui est pris avec lui, qui doit s'en occuper. C'est le garçon d'étage joué par Pierre-François Legendre. Oui, c'est ça. Moi, je suis un des premiers à réaliser que dans l'hôtel dans lequel je travaille, il y a quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours. Alors, je panique un peu. Ce ne sera pas très bon pour la réputation de l'hôtel. Donc, je veux avertir la police. Mais l'autre qui est là pour tuer quelqu'un de par sa fenêtre, veut pas que j'amène la police dans l'hôtel. Donc, il me dit, je vais très bien m'occuper de lui. Ne vous en faites pas. Je vais lui remonter le moral, moi. Et moi, au fur et à mesure que la pièce avance, je vois leur relation. De temps en temps, je reviens voir si tout se passe bien et je vois leur relation, mais je vois pas la bonne chose. Le public sait que je ne vois pas la bonne chose. Je trouve que leur relation va très, très bien, même très, 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 très bien. Alors que, en fait, non, elle se détériore, la relation, mais je vois pas la bonne chose. Et on vous dira pas juste comment ça finit, parce que ça ruinerait le punch, mais je peux vous dire qu'il y a d'autres personnages qui vont intervenir dans cette action-là. Son ex-femme, jouée par Monique Spaziani, va débarquer là, avec son nouveau mari, qui est un psychiatre, joué par Patrice Cocro, et un policier en plus, qui va être là, qui est joué par Danny Gagné. Alors, si on considère que Normand Damour est le tueur et que Marcel Leboeuf est l'emmerdeur, vous avez là une distribution à ne pas éviter durant l'été. Il faut absolument se rendre ici. J'ai hâte de voir la pièce, de voir les comédiens. C'est de bons comédiens. La pièce, elle devrait être bonne. Il y a M. Damour, il y a Marcel Leboeuf. Les autres, je les connais moins. On a hâte de venir voir l'emmerdeur. On est ici depuis 6 heures ce matin, puis on veut pas manquer notre vente. Je suis déjà venu jouer ici en tournée avec des spectacles de la compagnie du CEP. Mais que je m'établis ici pendant un été, c'est la première fois. Je suis ravi parce que les loges sont très confortables. Mais moi, ça fait plusieurs fois, comme ça fait 40 ans que je suis comédien. Écoute, avant, ça s'appelait le Centre culturel. Donc, je suis venu jouer beaucoup de fois. Puis avec la pièce Ladies Night, je pense que ça fait au-dessus de 40 fois qu'on vient ici. Ah oui. Ben, moi, j'ai beaucoup joué ici aussi dans le temps du Centre culturel. Et depuis que c'est la Maison des Arts, ce sont mes pièces que j'ai montées qui viennent ici. J'en ai eu plusieurs qui sont passées par ici. Alors, je suis un peu comme chez moi. On attend pour aller voir le spectacle des... L'emmerdeur. Ah, c'est Marcel Leboeuf, Normand Damour. Ben oui, tous des bons acteurs qu'on aime, puis on veut les entendre. Puis on aime beaucoup ça, on est rendu des fans de toutes ces pièces-là. Ah, pour acheter un billet, c'est ça, de l'emmerdeur? Oui, j'ai hâte. L'emmerdeur commence le 1er juillet 2016 et se termine à la fin du mois d'août. Je crois que c'est autour du 26 ou du 27 août. On peut se procurer des billets à quel endroit? Bien, sur le site Internet de la Maison des Arts de Drummondville ou directement à la billetterie. Puis moi, j'en ai dans mon char. Si vous me voyez à quelque part à Drummondville, là, j'ai toujours 50 billets dans le char, je vends ça. Faut me pogner sur le fly. Quand ce sera plein à Drummondville, et ça va arriver très tôt, je le regrette pour beaucoup d'entre vous, dites-vous qu'il y a une tournée qui va suivre et qu'on va faire le tour du Québec. Alors, ne manquez surtout pas l'emmerdeur. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que quand vous allez voir l'emmerdeur, il y a une chose qui ne risque pas de vous arriver, c'est que vous vous emmerdiez. Et moi, ce que j'ai toujours dans mon char, c'est du sirop d'érable et du vin, parce que je fais des deux. Si jamais vous voulez une bouteille ou une canne, n'hésitez pas, hein? Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.